Ouais, je n'étais pas du tout au courant, l'extension des jeux de Rastakhan est maintenant disponible, ça fait pas 4 vidéos que je sors dessus. Non, merci Blizzard. Merci de nous l'avoir dit, on n'était pas du tout au courant. Bonne pioche, piochez 20 cartes. Non, mais ils se foutent de la gueule du monde. Ils se foutent de la gueule du monde, pas possible. Ils se foutent juste de la gueule du monde. Tout puissant à jouer. Hein? Oui? Oui, OBS? Qu'est-ce que tu veux quoi? J'ai OBS qui vient de s'exciter, qu'est-ce qu'il dit quoi? Aucune idée, on verra bien. Attendez, je vais augmenter un peu le son de mon micro, il a l'air d'être un peu faiblard. Oui, il est faiblard, tout à fait. Hop, merde, c'est où? Bon, bah, je vais baisser le son du jeu, ça ira un peu mieux, voilà. Là, normalement, vous devriez mieux m'entendre. Donc, nous partons sur les jeux de Rastakhan, le Rastakhan Rumble. Le but est de se friter contre des trolls. Si vous voyez que le jeu lag, c'est normal. J'ai War Thunder qui est lancé, qui est en train de se mettre à jour. Je veux juste vous montrer ça. 30 secondes. Voilà. Voilà. War Thunder qui se lance. C'est tout. Enfin, je suis en train de me le mettre à jour et c'est un petit peu casse-couille. J'ai pas fait de conneries. Non. Ça va. Je me connais. J'aurais pu me fail en affichant toutes les données qu'il fallait pas. J'ai rien affiché comme connerie. Ouais, non, c'est bon, non, c'est certain, ça va. Donc, on a été où? Ah oui, la capitaine double crochet. Bon, bon, bah, allons-y. Pour l'instant, le paladin est invaincu. Bon, bah, si je gagne, j'ai le titre de ma vidéo, on verra bien. Hein. Parce qu'elle fait, je m'en fous un peu en fait. On verra bien ce que ça donne. Ah oui, si jamais vous entendez ma voix qui est différente de l'habitude, c'est que j'utilise en fait en fonction de mon lieu de tournage un micro différent. Quand je suis chez moi, quand je suis à mon studio classique, je peux tourner avec le Samsung. Bah, je dis studio parce que je tourne des vidéos. Ah, c'est un bureau quoi, sur le principe. Donc oui, je peux tourner. Voilà, quand je tourne une vidéo classique, j'ai mon Samsung. Et quand je suis pas chez moi, je peux pas. Bon, bah ça c'est fait, et ça c'est intéressant. Bon, bah déjà t'es morte. Déjà, tu peux prendre 5, 20. Tour 1. Qu'est-ce que ça fait cette merde? Au début de votre tour, vole une carte dans le deck de votre adversaire, le coup de cristaux de moins. Non. Allez, tu bouffes? Voilà. Voilà. Voilà, non, le trésor des profondeurs il restera pas, hein, sans déconner, non, ouais, c'est bon. Ah, ah, ah oui. Bon. Donc, tu vas friter le œil. Tu vas, hop, récupérer lui. Alors, on se fait bien mal. Ensuite, je gagne 4 PV, je frite lui. J'ai tout intérêt. Donc, gagne 4 PV. Dégage lui. Lui va revenir au prochain tour. Donc, on le garde pour le prochain, on le garde pour le buter. Ah, putain, non, c'est sérieux, il m'a volé ça? Foiré. Aïe. Tant pis. Tu t'es fait mener en bateau. La lune. Mon sanctuaire. Saloperie. Un tour sur trois. Bon. Le premier souhait est gratuit. Et toi, tu dégages. On va essayer de le maintenir loin celui-là. Il me gênait plus qu'autre chose. Mytho. Ah putain. Aïe. Son deck pirate va être très chiant. Je sais pas pourquoi. Bon bah abomination. Je vais pas avoir le choix. Sachant qu'il y a bon bah abomination hein. Pas à chier. Deux sur trois et le mien revient au prochain tour. Donc au prochain tour j'ai intérêt à me faire mal. Ça paie toujours.
Ok, donc j'ai intérêt à arriver à me faire mal. Sincèrement, je prie pour que ça passe là. Donc. Merde. Oui. Gagné. Et merde. Non, ben je ne l'aurai pas. Tant pis. Tant pis, il est trop violent. Ce deck pirate, double crochet, est très 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 violent. Mon deck paladin mazo n'avait absolument aucune chance. Ah merde. Dommage. Dommage. Tant pis. On en a combien de temps de vidéo? On en est à 6 minutes. Retour, on va recommencer. On n'a eu qu'à 6 minutes, on peut recommencer. Donc nous avons quoi? En brutalité, ses serviteurs peuvent attaquer de nouveau. En retente le paladin, au début de votre tour, on voit une carte de votre deck sur... Attends. Vole une carte du deck de votre adversaire. Ah mais non, trop chiant. Alors on continue avec lui. C'est l'autre et... Le petit totem, la voleur, il est trop léger. C'est une 0-2, tu peux rien en faire. On reprend le deck mazo. J'ai pas été assez agressif contre double crochet, j'ai pas osé être agressif, j'ai pensé plus lui infliger des dégâts que infliger des dégâts à ses bêtes. C'était une erreur de ma part. Hop, ouais, c'est pas un chopin, un petit truc à deux, petit truc à deux, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce totem de merde? Votre pouvoir héroïque coûte 0 cristal de mana, chaque fois qu'il tue un serviteur se réinitialise. Putain, c'est violent. Dommage. Bon, bah, c'est fait au prochain tour. Bon. Au revoir. Voilà, ça c'est fait. Allez, dégage. Emballé, c'est pesé. Malakras, c'est fait. On en est qu'à 7 minutes 39 de vidéo, donc on va continuer. Enfin, 7 minutes 39 au chrono OBS. Continuons. Recrue, dragon, magnétisme. Et merde. Fiche de points négatifs à tous les autres serviteurs. Invoque de recrue de la main d'argent. 3 recrues de la main d'argent. Attaquer, invoque de recrue de la main d'argent. Ok, magnétisme. Ouais. Bah, magnétisme, j'ai pas des masses le choix. La druidesse de guerre. Putain, mais j'ai fait les mêmes la dernière fois. Et les premières vidéos, c'était les mêmes. La druidesse de guerre, elle m'a pris 5 minutes. C'est chiant. Foncièrement, c'est chiant là. Si c'est que ça, si c'est à chaque fois que tu prends un totem, t'as exactement les mêmes boss derrière, c'est pas drôle. C'est même de la merde. Ah ouais, non, mais là, je gueule là. Là, je gueule. L'autre, il avait pas le même totem, mais c'était le même. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Ça, ça dégage. Quoique. Ça reste. Parce que je peux le jouer tour 2. Juste pour ça. Tour 1. Ah, voyons juste les émotes, j'ai jamais essayé. Rien qu'à l'odeur, on savait que c'était toi. Tu vas rien voir venir. Dépêche. Ma meute, elle a faim. Attendez, je reviens. Oui, bonjour, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que cette merde? À la fin d'un tour, égale à celle de votre héros. Ah, d'accord. Non, mais il est très con ce truc. Il est complètement con ce truc. Ah, casse-couille. Putain, il booste son totem, ce con. C'est juste un grattoir pour ma meute. Bon.
C'est chiant. Très chiant là. La puissance de Gonk s'accroît. Ah putain, mais il est ultra chiant son truc là. Allez, dégage. Il va falloir que je le dégage très vite. Putain, mais il est violent ce deck. Il est horriblement violent ce truc. Il est horriblement violent. Vous valez rien. Attendez, Ok, donc là je gagne 2, je passe à 7, voilà. Sale bête, vous n'avez aucune discipline. Ensuite je passe à 10, ça passe pas. Donc je vais être obligé de jouer ça. Magnétisme, provocation. Ah non, ça passe pas. Ça passe pas. J'ai oublié. Ça passe pas. À cause de la brutalité, ça passe pas. Putain, mais c'est quoi cette arnaque? Ah non, ça s'est passé? C'est passé. Comment je peux faire? Ok, dernière chance. 1. Ok, c'est bon. Oui, ça passe. Ça passe. Enfin, ça passe. Ça passe pas du tout. Suicide collectif, allez hop. Allez, on termine sur un magnifique suicide collectif. C'est pas très grave. Bon, loupé. Pas de chance. Bon, allez les gens. Et quoi? Ah si, c'est passé. C'est passé. Nice. Ça a marché. Bon, les gens, je vous dis des bisous et à la prochaine. C'était Revanche 1000. Le suicide collectif marche. Allez. À demain.